Bonsoir et merci de nous suivre à l'antenne de ce JT. Les tensions géopolitiques continuent à se faire sentir, cela empire. Le général des armées prévient, l'armement biologique est prêt. Tout cela est à cause des nouvelles attaques terroristes ainsi qu'aux grandes sociétés. Nous accueillons ce soir le professeur Mike Schroeder du laboratoire Innoveo Horizon. Bonsoir Mike. Bonsoir et merci. Avec les dernières informations, nous voulions savoir quels étaient les risques avec ces nouvelles armes biochimiques. Vous êtes le mieux placé pour parler de tout cela. Nous savons pertinemment qu'il y a de grands risques humains, donc ma première question, quels sont ces risques ? Bon, pour commencer, c'est une question bien complexe, car nous ne pouvons pas répondre totalement à tout cela avec sûreté. Mais il est évident qu'il y aura beaucoup de morts, et que ce soit des pertes humaines ou animales. Il faut que les populations se protègent, car nous pourrions avoir de gros problèmes. Excusez-moi, mais pour la mort, je pense que nos téléspectateurs le savent. Ma question se tourne sur le monde d'après, voyez-vous. Que va-t-il se passer après cette bombe ? Des morts vivants dans nos rues. Il n'y aura pas de morts vivants, comme vous dites. Mais surtout, une désolation terrible, la disparition de l'humanité. Imaginez si vous éradiquez plus de 85% de l'humanité. Des clans pourraient se former. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout la mutation des gènes humains. Et si l'homme ne disparaissait pas, il finirait par s'y habituer. Et si la bombe relâchait des molécules sans tuer l'homme, que se passerait-il ? Très bien, mais si ces molécules, comme vous dites, n'étaient pas là pour tuer les hommes, à quoi servirait cette bombe ? Comme la bombe Trinity. Une création pour montrer de quoi est capable une nation. À quoi ça servirait dans le cas où elle n'est pas là pour tuer ? Et si c'était qu'une simple bombe pour tester les humains ? Ou pire encore, les punir si la bombe était capable de modifier assez l'homme pour qu'une simple égratignure avec un objet qui retiendrait cette molécule suffirait à les tuer ? C'est trop gros comme intuition, vous ne pouvez pas inventer une chose pareille. Ah oui ? Et j'ai pourtant travaillé sur cette molécule, alors tout ce que je demande c'est de mettre à l'abri et de prévenir 8 milliards de femmes, d'enfants et d'hommes, ce que je vis quand il ouvre le sixième seau. Il y a eu un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de grains, et excusez-moi, la lune devint l'apocalypse. Et arrêtez non, cet homme. Vous devez m'écouter, c'est la fin du monde. Fuyez au plus loin, non mais lâchez-moi, bordel. Ouais, deux secondes, j'arrive. Il va falloir partir. Encore ? Et ça commençait à me plaire et j'avais un vrai toit où dormir. On n'est pas obligé, tu sais. Liam, c'est non. Désolé, on retrouvera une maison. C'est promis. Et pourquoi on peut pas rester ? Certes, c'est pas incroyable, mais qu'est-ce qu'on aura de mieux d'aussi incroyable qu'un lit où dormir ? De toute façon, tu comprends jamais, on a un lit. Oui, je sais. Mais on n'a même plus d'eau et les terres ne sont même pas fertiles à cause des retombées. Et regarde au nord. Il y a un camp avec l'armée, eux savent quoi faire. T'es au courant que c'est l'armée qui a envoyé cette... Arrête, ils ont changé. Et toi, pendant ce temps-là, au lieu de trouver des solutions, qu'est-ce que tu fais ? Tu bois. Et le seul truc que tu me dis, c'est de nous casser ? Tu sais, j'en ai marre. Pourquoi on peut pas avoir une vie normale ? Je sais que j'ai pas connu ce que t'as pu vivre, mais c'est toi qui m'as recueilli. Et je pense avoir le droit de dire ce que je pense ou ce que tu me sors. Tu sais, t'es comme un frère et je tiens à toi. Écoute, viens, j'ai une surprise pour toi.
En arrivant, j'ai trouvé une guitare. Et je me suis dit que ça pouvait te plaire, toi qui aimes le rock. Il faut partir, je sais. Aaron, ça recommence. On part, ils arrivent, prépare le sac. Aaron m'a dit qu'on continuerait jusqu'à ce camp militaire. Au fond, je pense que c'est une bonne idée. Mais j'ai peur de revivre ce que j'ai pu connaître. Ce nouveau monde nous a terriblement détruits. Il y avait un militaire et dans ce camp, il me frappait. J'ai été touchée à plusieurs reprises, mais je savais pas ce que c'était. J'étais jeune. Nous étions ses poupées. C'est quelques semaines plus tard, après ma fuite, que j'ai rencontré Aaron. Et je le remercie. Bientôt arriver à mi-chemin, je pense. Je dois avouer que je commence à peiner. Oui, mais plus vite on arrive au nord du pays, plus vite nous serons en sécurité. Ne l'oublie pas. Et si dans ce camp, il n'y avait plus personne, on irait où? Et s'il n'y avait plus personne, on pourrait prendre un bateau, vivre dedans, comme ça il n'y aurait plus de problème. Imagine, prendre le large. Je suis partante. Oh, dans un voilier? Ah bah, si tu veux, dans les ports, il y a beaucoup de voiliers. Merci d'être là. À manger, soit j'ai une boîte de thon ou oh, fais chier ou qu'est-ce que j'en ai foutu. Toujours bien organisé toi dis donc. Hey, écoute, commence pas hein, si tu veux que je te donne le sac aussi t'as qu'à foutre tes affaires à un autre endroit. Oh excuse-moi, mais qu'est-ce que tu cherches? Ah ah, trouver, tu veux des sardines? Écoute, va pour les sardines. Fais gaffe en les ouvrant s'il te plaît. Oui oui. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que je t'avais dit? Merde tu saignes. Fais chier, on part vite, j'ai un endroit où je pourrais te soigner. C'est normal, t'as été infectée, ma grande. Donc arrête, s'il te plaît. Oh, ferme-la, c'est des conneries. Écoute-moi bien, Alia. Ma femme et ma fille sont mortes à cause de toute cette merde. Excuse-moi. Continuons à avancer, on change de sujet. Allez, on va bientôt arriver plus que quelques kilomètres. Fais attention, il y a des bouts de métal qui traînent. Ne te blesse pas. Tu sais, je repensais à tout à l'heure. Pardonne-moi. T'en fais pas. Ah, Aaron, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais voulu que tu ne vois pas ça. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? L'armée a tué les femmes et les enfants qui essayaient de passer le pont. Les hommes ont été sélectionnés et amenés dans un camp au sud. Pour les autres, ils sont tous morts. Aaron, c'est ça? Dis-toi qu'elle aurait crevé avant d'arriver. Et où d'ailleurs? Qu'est-ce que tu caches? La Renaissance a sauvé ton ami, alors arrête de chier. Tu vas avoir des regrets après. Mais putain, tu comprends rien. Tu vas te souffrir, on va pas changer le cours des choses, merde. A sauvé le monde. Tu peux me tuer ou tuer tous mes compères, mais tant que un de nous croiront encore en la Renaissance,
Alors le monde aura encore un espoir. On a sauvé ton ami et on sauvera le reste du monde.